Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Battlefield. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait guerre totale? Après, je vais faire des coupures parce qu'apparemment, depuis que les serveurs publics ont ouvert, c'est une vraie catastrophe. Donc, je vais enlever une oreillette parce que j'ai l'impression de gueuler. Je crois qu'on va faire ça. Ok, écoutez bien, car ça se complique. Votre mission ici n'est pas d'anéantir. Mais je sais pas si là ça va être en solo ou si ça va être en multi. Je crois que la première fois t'es en solo et tu joues contre des IA. Donc on va être à Doha, au Qatar. Mais après c'est pas grave, même si on joue contre des IA. Au pire, de toute façon. Ah non. Ça a l'air bon. Donc là on a un gars qui est sur PC. Visiblement, un autre gars sur Xbox et un autre, il y a une petite manette. Donc, c'est quoi? C'est qu'il est sur PC et qu'il joue à la manette ou qu'il est sur PS5, peut-être? Je ne sais pas. Allez. On va être déployé. Donc je vous préviens, j'étais nul dans Call of, je le suis encore plus certainement dans Battlefield. C'est pas des jeux auxquels je joue régulièrement, donc. Voilà. En tout cas. Je suis tombé. Heureusement, on a un parachute. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est. Je vous ai pas dit, on est sur Xbox Series X. De toute façon, vous l'avez vu certainement dans le titre, je le marque toujours. C'est fluide. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, de toute façon, on connaît Battlefield, hein, on sait. On sait que visuellement c'est toujours au-dessus de Call of, hein. Connexion établie. Demandez de l'aide quand vous voulez. Surtout en termes de destruction. Ça. J'ai localisé un lecteur, pas loin d'ici. Mais bon. Il y a un terminal de liaison dans le coin. Activez-le pour qu'on puisse vous envoyer. Après, c'est toujours pareil, hein. On joue pas à ces jeux-là. Edna, cherchez les autres. Pour prendre forcément des claques visuelles, hein. Même si ça fait toujours plaisir. Ça paraît très bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis par ici quand même, hein. Bordel, oui, ça tire là-bas. L'ennemi demande des renforts. Localisez leur signal. Voilà, j'arriverai jamais. Voilà, c'était sûr. Je vais décéder. Il y a une tempête. Renfort ennemi en route. Vous devriez pouvoir capter leur signal. Bon. Non, essayez pas de me relever. On va mourir, hein. Ça sert à rien, personne qui viendra là. Pour la séquence finale de lancement. Camarade battu,
Donc il me lâche direct. Ah ouais. Ah ouais, non mais. C'est un peu débile là pour le coup. On t'envoie en parachute en plein milieu de la guerre. Comment tu veux t'en sortir vivant? C'est impossible. Combat terminé. Hein. En même temps, on te relâche en plein milieu de la guerre. T'arrives en parachute, tranquillement, tu te descends sur les mecs qui te tirent dessus comme un pigeon. Ça me paraît quand même un peu con. Bon, allez, on est parti. On m'a demandé 10 000 fois de... De choisir un véhicule pour me déployer, puis quand j'ai voulu, on m'a dit c'est pas possible. Alors bon. À un moment donné, les gars. On va monter dans un véhicule, et puis voilà, on va pas faire la partie entière. Ah, c'est bien le chat là où il a disparu. Parce que c'était pas très très beau. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Bon, ça commence bien. Ouf, il s'est fait rouler dessus. Au déploiement. Je suis vraiment un noob, hein. Battlefield, je vous le dis, je joue pas beaucoup. C'est encore moins mon truc que Call of. Hein. Déjà, Call of en multi, c'est pas vraiment un délire. Regardez les explosions là-bas. Après, on... Voilà, c'est vrai que visuellement... Pas du tout ça que je voulais faire. Objectif sécurisé. Il reste qu'une poignée de secteurs. On en domine la majorité. Moi je trouve que c'est encore pire, mais bon. Après, oui, c'est plus tactique et tout. C'est ce que je disais dans la vidéo sur Call of. C'est plus tactique. Donc, c'est normal qu'il y ait des mecs planqués, machin. Mais là, il y en a, ils passent leur partie allongée comme ça, à attendre. Honnêtement. Je vois pas trop le plaisir qu'on peut avoir à faire ça, mais bon. Ah bah regardez, il y a carrément un arbre qui s'écroule. Bon, après, je vous l'ai dit, je suis ultra nul aussi. Hein, donc, voilà. C'est un jeu, je pense, il faut... Faut s'entraîner quand même. C'est un jeu auquel faut jouer un petit peu... Et si possible avec ses potes. Perdre un secteur là. Objectif sécurisé. Le secteur Alpha est sous contrôle.
On va manger de la roquette, à un moment on va rien comprendre. Oh là là. C'est quoi toutes ces roquettes en bas? On va essayer de se barrer hein, avant que l'hélicoptère y pète. Bon là au moins on a pu voir la map un peu de loin. Il est où le mec là? Oh bordel! J'ai fait un kill. Bon, faut que je me casse de là. Voilà. Il y a un mec. Les forces américaines ont le secteur alpha. Si ça continue, les Américains. Oh bordel! On en prend dans tous les sens là. J'arrive pas à le viser. Ouf. Bon. Oh bah. Au moment où je réapparais, terminé. On est tous regroupés au même endroit, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Oh putain. Là par contre je vais faire comme lui, je vais me coucher, je vais avancer tranquillement. Ça nous arrive dans le dos aussi. Merci. On se fait tirer, je sais pas par quoi. Je pense qu'il y avait un hélico qui se baladait là. Allez, on avance. Combien on en est là? Ouais, on va bientôt s'arrêter. On va pas aller au bout de cette partie. Ah, de toute façon, c'est mort là. Pas pouvoir venir me réanimer, il y a les mecs en haut. Bon, on s'est fait calmer par un char. Je peux pas me déployer dans le char là-haut là.
Oh là là, la catastrophe. Bon, écoutez, je pense que de toute façon, vous avez vu assez de morts comme ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis, comme vous l'avez vu, ultra nul. De toute façon, j'ai toujours été ultra nul. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de Call of, le but de ma chaîne, c'est pas de faire des performances, c'est pas d'être... de vous dire que je suis méga balèze ou quoi que ce soit, parce que je m'en fous un peu. En vrai, c'est pas des jeux auxquels je joue forcément, mais j'aime bien essayer quand même, malgré tout. Et puis, je me dis, tant qu'à faire, quitte à tester, même à me faire humilier, c'est pas grave, autant que je le fasse sur la chaîne, ça permettra à des gens de voir éventuellement à quoi ça ressemble aussi. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.